héros de Chicalore. C'est l'été sur l'île de Chicalore. Il n'y a pas un nuage dans le ciel. Les prairies sont recouvertes de fleurs et dans les arbres, les oiseaux chantent joyeusement. Thomas, lui, fait le plein d'eau. Il se sent très heureux. Tout à coup, on entend un ouf et un oui et un cliquetis-clac. Et alors, une sorte de fusée argentée passe à toute vitesse. Ben c'est moi, j'ai dû rêver, c'était quoi ça? Partout sur l'île, les amis de Thomas connaissent la même mésaventure. Ils sont tous très choqués. Mais quel chauffard celui-là! Et là, toi, doucement! Hé oh, attention! Ça va pas la tête? Roule moins vite! Au secours! Non, hé, moins vite, imbécile! Ralentis, c'est pas une course! Quand toute l'équipe se retrouve plus tard au hangar, tout le monde ne parle que du mystérieux inconnu. Il était immense! Il était en argent! Il roulait super, super vite! Alors ça devait être... Spencer! Bonjour, Chicalore! Vous êtes au courant? Je passe tout l'été chez vous! Pourquoi? J'ai été engagé pour une mission très importante. Le duc et la duchesse de Beaufort font construire une nouvelle villa pour les vacances. Les travaux doivent absolument être terminés avant leur arrivée. Je suis très occupé, pas le temps de papoter. Sur ce, Spencer redémarre, ravi d'avoir fait son petit effet. Bravo, manquait plus que ça. Déjà qu'on avait du mal à le supporter pendant une journée. Cette fois, ce sera 2 mois. Oui, quel enfer! L'après-midi, Thomas et Percy sont en train de se hisser péniblement jusqu'au sommet de la colline de Gordon quand soudain, ils entendent Spencer qui arrive derrière eux. Encore un petit effort et vous serez peut-être en haut avant ce soir. Qu'est-ce qu'il m'énerve ! Ensuite, Spencer décide d'aller embêter Gordon. Laisse-moi passer, l'escargot ! Oh non ! Mais quel tourin ! Un peu plus loin, Toby ralentit devant un croisement, quand tout à coup, Spencer vient se placer à côté de lui pour le narguer. À ce qu'on m'a dit, tu es trop vieux pour servir à quelque chose. Oh. Touché en plein cœur, Toby est tellement sous le choc qu'il ne voit pas que le feu est vert. Edward et James, quant à eux, roulent tranquillement sans se douter de rien, quand soudain Spencer apparaît sur la voie d'à côté. Mais quelle surprise! Vous êtes 2 pour tracter un seul petit wagon, je vous félicite! Moi, j'en tire 5! Et Spencer accélère et s'éloigne. James est tellement vexé que sa chaudière fait des bulles. Ce soir-là, dans les hangars, les locomotives ne parlent que de Spencer. Il a dit à Toby qu'il était trop vieux! Il a osé rouler sur ma voie express. Sa peinture est beaucoup moins belle que la mienne. Il ne connaît pas la politesse. En plus, il fait peur. Le lendemain, très tôt, Thomas est déjà à l'œuvre sur le port. Il est venu chercher un wagon couvert de machines très lourdes. Spencer est là, lui aussi. Il s'attelle à un train de 5 wagons sur lesquels sont empilés des matériaux de construction. Regarde-toi, Thomas. Heureusement que le duc et la duchesse ne comptent pas sur un Minus pour faire leur livraison. Leur villa aurait été finie pour Noël. Qu'est-ce que tu insinues? Rien du tout. Tu ne peux pas tirer des wagons lourds. Thomas est furieux. Ses amis aussi, d'ailleurs. Cette fois, Spencer est allé trop loin. Ce n'est pas vrai. Moi aussi, je peux tracter des wagons lourds. Oui, c'est vrai. Très lourds même. Thomas n'est pas un Minus. C'est une locomotive très, très utile. Et il est super costaud. Spencer est loin d'être impressionné. Une idée fuse même dans sa chaudière. Dans ce cas-là, Thomas, retrouvons-nous demain à l'aube à la gare principale. Et on pourra faire un concours de force. Chacun tractera un wagon lourd et on verra qui tirera sur la plus longue distance et le plus longtemps. Après avoir lancé son défi, Spencer s'empresse de démarrer. Thomas, lui, commence à avoir des regrets. Bravo.
Bravo, quel imbécile! Qu'est-ce qui m'a pris? Spencer va sûrement gagner le concours. Les locomotives décident d'encourager leur ami pour le rassurer. C'est toi le meilleur de toute l'île, et tu le sais. Et tu vas lui montrer que sur Chicalor, on est tous aussi forts que ce petit imbécile. Je te dis ça parce que tu es mon meilleur ami. Thomas est touché par ce qu'a dit son ami Percy. Ça lui redonne du courage. D'accord, j'irai au rendez-vous. Et je vais gagner! Le lendemain matin, dans la pâle lueur de l'aube, Thomas et ses amis attendent Spencer à l'endroit prévu. Soudain, une fusée argentée fait son entrée dans la gare et fonce droit sur eux. Spencer a l'air en forme. Thomas commence à s'inquiéter. Non, je n'y arriverai pas. Mais si, tu peux, crois-moi. Tu nous répètes toujours qu'on peut tout faire si on le veut vraiment. Ça vaut pour toi aussi. Les ouvriers se dépêchent de dégager les voies. Thomas et Spencer s'attellent à des wagons remplis à ras-bord. Édouard vient se placer devant eux. Vous prendrez deux voies différentes qui font le tour de l'île. Les seuls arrêts permis, la mine et le château d'eau. Édouard donne le signal de départ en sifflant bien fort. Et c'est parti! Spencer et Thomas démarrent à toute vapeur, mais leurs wagons sont drôlement lourds. Je peux y arriver. Je vais m'accrocher et montrer à Spencer que c'est moi le plus costaud. De son côté, Spencer est sûr de gagner. Il va vite savoir qui est fort et qui est faible. Il va se retrouver avec tous ses pistons en compote. Les amis de Thomas le regardent partir, plutôt inquiets. Et pour l'encourager, ils se mettent à siffler. Bonne chance, Thomas! Thomas et Spencer entament leur tour de l'île. Cliquetis-clac, ça crisse et ça craque sur les rails. Ils traversent des forêts, gravissent des collines. Spencer roule tout en souriant, il fonce, il est sûr de gagner. Thomas, lui, commence à être un peu essoufflé, mais il s'accroche et avance. Qu'il est bête, ce Thomas, c'est moi le plus fort. Tu peux gagner si tu en as vraiment envie, et moi je le veux vraiment. Un peu plus loin, Thomas doit gravir une pente assez escarpée. Il souffle, produit un gros effort et appuie à fond sur ses pistons. Enfin, il réussit à se hisser jusqu'au sommet. Youpi ! J'ai réussi ! Et c'est la catastrophe. On entend un gros boum suivi d'un crack. Ça, c'est mauvais signe. Oh non, il ne manquait plus que ça ! J'ai dû casser mes freins ! Les roues de Thomas tournent de plus en plus vite. Comme il est en descente, impossible de ralentir ou de s'arrêter. Oh non! Oh! Au secours! Il arrive au bas de la colline et, poussé par son élan, gravit facilement la suivante. Aidez-moi! Je n'ai plus de frein! Thomas est emporté par le poids des wagons qui le poussent de plus en plus vite. Il croise Spencer à une intersection. Ça, c'est la meilleure! Il heurte des wagons remplis de pommes de terre qui se répandent un peu partout sur les rails. Quelques mètres plus loin, Thomas se cogne contre un wagon transportant de la confiture. Cette confiture est projetée dans les airs et retombe sur la carrosserie de Thomas. Mais ça ne l'arrête pas. La petite locomotive bleue se retrouve sur une très vieille voie. Devant lui, Thomas aperçoit un énorme mur de buissons. C'est vraiment pas mon jour, il faut que je m'arrête! Il ferme les yeux et passe à travers les épais buissons, ralentit et s'arrête enfin. J'ai eu la peur de ma vie. Heureusement, c'est fini. Il regarde autour de lui. Maintenant qu'il est à l'arrêt, il n'y a plus aucun bruit. Je parie que Spencer doit déjà être rentré à la gare. Il doit crâner parce qu'il a gagné le concours facilement. Et Percy doit sûrement se demander où je suis encore passé. Mais je ne sais absolument pas où je peux être. Le silence l'inquiète un peu. Thomas ne sait pas du tout ce qu'il doit faire. Tout à coup, il entend une voix. Bonjour. Il regarde autour de lui, mais il ne voit personne. Il ne bouge pas, il n'ose même plus respirer. Coucou. Encore une fois. Il examine les environs, toujours personne. La voix a l'air de venir des buissons là-bas. Très lentement, Thomas commence à avancer. Les branches le griffent et craquent. Soudain, c'est la surprise. Jamais il n'aurait pensé voir un jour une telle merveille. Là, devant lui, au beau milieu des buissons, trône une très vieille locomotive. La pauvre est rouillée de partout.
Thomas a peur. Il n'ose plus dire un mot. Mais la vieille locomotive lui fait un petit sourire. Bon, d'accord, c'est un sourire timide, mais ça lui donne un air doux et gentil. Du coup, Thomas a moins peur. Bonjour, mon ami. C'est dommage pour tes freins. Et bien sûr, ça arrive toujours quand on descend une colline. La vieille locomotive recommence à sourire. Thomas aimerait bien en faire autant, mais il a trop peur. Il hésite entre parler, klaxonner pour appeler du secours ou reculer aussi loin que possible. Mais impossible de bouger. Il n'arrive pas à détacher ses yeux de cet engin extraordinaire. Bonjour, moi je m'appelle Thomas. Ah, et moi je m'appelle Hiro. Thomas ne sait pas trop quoi ajouter. C'est la première fois qu'il rencontre une locomotive aussi vieille et aussi bizarre. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne sors jamais? En fait, c'est une très longue histoire. Tu aimes ça, les histoires, Thomas? Oh oui, les petites locomotives des collines m'en racontent quand je vais les voir. Dans ce cas, j'espère que tu aimeras la mienne. Je suis venu ici il y a très longtemps maintenant. Je vivais sur une autre île. Je suis l'une des premières locomotives à vapeur de Chicalore. Thomas a du mal à croire ce qu'il entend. Et elle se trouve où, ton île? Très très loin d'ici, à des milliers de kilomètres. Il y a des montagnes couvertes de neige et un océan tout autour, et plein de lignes de chemin de fer. Sur mon île, personne n'avait ma puissance. On m'avait surnommé le maître des voies ferrées. Comment es-tu arrivé sur Chicalore? Je suis venu dans un très grand bateau. Le voyage a duré des semaines et on a traversé plusieurs océans. Quand on m'a descendu sur le quai, je ne savais pas du tout où j'étais. Elle était comment, l'île, à cette époque? Calme et tranquille. J'étais la seule locomotive. Ici aussi, on m'a surnommé le maître des voies ferrées. J'ai été très heureux au début. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, un jour, je suis tombé en panne. Les mécaniciens n'avaient pas les pièces qu'il fallait. Alors, on m'a mis sur une voie de garage. J'attendais que les pièces arrivent de mon île. J'ai attendu et attendu. Aujourd'hui, je suis sûr que ces pièces n'arriveront jamais ici. Thomas ne s'attendait pas à une histoire aussi triste. Ton île doit sûrement te manquer. Oh oui, bien sûr, et je regrette de ne plus être le maître des voies ferrées. La tristesse de son nouvel ami touche Thomas. Il est désolé pour lui. J'ai une idée! Je vais en parler à mon chef. C'est lui qui dirige les chemins de fer maintenant. Il saura comment t'aider. Oh non, non! Je t'en supplie, Thomas. Il faut me promettre que tu ne diras rien à personne. Thomas a du mal à comprendre. Pourquoi? Je suis un vieil engin. On ne peut pas me réparer. Et je sais ce qui arrive aux pauvres locomotives qui sont devenues complètement inutiles. On les démolit et on envoie ce qui reste à la casse. Mais c'est injuste et c'est cruel. On n'a pas le droit de te faire ça. Maintenant, Thomas comprend mieux pourquoi son nouvel ami, qui régnait autrefois sur les voies ferrées de l'île, préfère vivre seul dans la forêt. Alors il décide de prendre les choses en main. Je vais m'occuper de toi, Hiro. Je ne dirai rien à mon chef tant que tu n'auras pas été réparé. Tout va s'arranger. Je vais me débrouiller pour trouver les pièces qu'il te faut. Je te le promets, grâce à moi, tu vas redevenir une locomotive très utile. Et puis, très bientôt, tout le monde reverra le maître des voies ferrées. Quel bonheur! Ça faisait longtemps que Hiro n'avait pas souri de cette façon. Merci beaucoup, Thomas. Merci surtout de t'occuper de moi. Mais pour Thomas, c'est normal. Plus tard, ce matin-là, Thomas arrive à l'atelier de réparation. Il vient faire réparer ses freins. Thomas adore venir ici. Il y a toujours de l'animation, du bruit et des étincelles. Les mécaniciens sont toujours très gentils. Et surtout, il y a Victor. Thomas aime bien Victor. Thomas, dis-moi, mon ami, qu'est-ce que tu faisais au milieu de nulle part avec 7 wagons pleins à ras-bord? Tu es fou, ma parole! La prochaine fois que Spencer te lancera un défi stupide, fais-moi plaisir, d'accord? Dis non! D'accord, Victor.
Avec tout ce qui s'est passé, Thomas a complètement oublié le concours. Une seule chose l'obsède, trouver une solution pour Hiro. Il aimerait bien en parler à Victor, mais c'est une mauvaise idée. Quelqu'un pourrait l'entendre et aller tout raconter au gros contrôleur. Ah, te voilà, Thomas. Encore en panne, à ce que je vois. Cette wagon plein à ras-bord, c'est bien trop lourd pour toi. Je suis content de te voir. Belle victoire! Spencer est stupéfait. Il n'aurait jamais imaginé que Thomas serait ravi d'avoir perdu. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, je suis content de te voir et belle victoire. Mais... Tu es venu te faire réparer quelque chose, Spencer, ou tu vas rester planté ici à bavarder? Tu vois bien que tu prends beaucoup de place. Spencer est sous le choc. Personne ne peut me parler sur ce ton. Il est tellement vexé qu'il préfère s'en aller. Quel toupet! Non, mais pour qui il se prend? Ben voyons, c'est moi qui suis désagréable et qui donne des ordres. Voilà pourquoi Thomas aime tellement Victor. Voilà, c'est terminé. Tu es réparé. À l'avenir, évite de t'approcher de Monsieur le Vantard. Et le gros contrôleur a besoin que tu sois en forme. Merci, Victor. Oh, Kevin! Fais un peu attention, je te l'ai déjà dit combien de fois. Tu ne dois pas lâcher, mais poser par terre. Délicatement, délicatement, doucement, doucement. Oui, patron, pardon, patron. Je ne l'ai pas fait exprès, ça a glissé tout seul. Derrière Kevin, Thomas aperçoit quelque chose de très intéressant. Un vieux piston posé sur un wagon. Ça, ce serait parfait pour Hiro. Peut-être que Victor voudra bien me le donner. Le cœur joyeux, il redémarre aussitôt. L'après-midi, Thomas fait ses livraisons comme d'habitude. Il se dépêche pour terminer plus tôt que prévu. Raconte-moi ce qui s'est passé pendant le concours. Excuse-moi, Percy, je suis pressée. J'ai beaucoup de travail. Je te raconterai tout plus tard. Pauvre Percy, il est très déçu. Bon, eh bien, au revoir. En fin d'après-midi, Thomas retourne à l'atelier de réparation. Il découvre avec plaisir qu'il est presque vide. Qu'est-ce que tu vas faire de ce vieux piston qui est là-bas, Victor? Il est bon pour la poubelle. On va devoir le jeter. Je peux m'en occuper si tu veux. Tu n'as pas de travail à faire? Non, et puis ça te rendra service. Tu as besoin d'aide pour le charger? Non, merci, Kevin. Alors, Thomas demande qu'on l'attelle au wagon et il s'en va avec sa précieuse cargaison. Direction la forêt de Hiro. En chemin, il entend une grosse locomotive qui fait claquer ses pistons et grincer ses roues sur les rails. Zut, c'est Spencer. Je ne veux pas qu'il me voie. Il va se demander pourquoi je me promène avec un vieux piston. Thomas appuie sur l'accélérateur et file se cacher sur une voie de garage. Il se gare vite derrière des buissons. Personne ne peut le voir de la voie principale. Mais il entend Spencer qui se rapproche de plus en plus. Pas de chance. Spencer s'arrête juste devant les buissons et fait marche arrière. Thomas n'est qu'à quelques mètres de lui. Il n'ose même plus respirer. Ouf! Nom d'un tchou-tchou! Il a failli me voir! Hiro est ravi de revoir Thomas. Le conducteur et son assistant déchargent le vieux piston. Rendez-vous demain. Je reviendrai te voir. On se mettra au travail. Il faut que je retourne à la gare de triage. Les autres doivent se demander où je suis passée. Oh, merci, Thomas. Et hop, la petite locomotive redémarre et file à toute vapeur retrouver ses amis. Un peu plus loin, il a un choc. Passez-moi, je dois rêver. C'est la villa d'été du duc et de la duchesse de Beaufort. Elle est juste à côté de la forêt de Hiro. Spencer va sûrement venir ici tous les jours. Si jamais il apprend l'existence de Hiro, il va en parler au gros contrôleur. Et du coup, Hiro finira certainement à la casse. Il va falloir que je sois super discret. Ce soir-là, Thomas ne se fait pas prier pour raconter ce qui s'est passé pendant le concours. Au moment où il va parler de sa rencontre avec Hiro, le gros contrôleur arrive devant les hangars. Demain,
Vous aurez tous un programme très chargé. Vous commencerez tous à travailler à la première heure. Donc, Thomas, interdiction de faire le tour de l'île avec cette wagon ou d'avoir des idées aussi stupides. J'ai besoin de pouvoir compter sur toi. Alors je ne veux surtout pas que tu tombes en panne. Oui, chef. Maintenant, Thomas n'ose plus parler de Hiro. Le gros contrôleur s'est bien fait comprendre. Il déteste les locomotives en panne. Le lendemain, Thomas travaille toute la matinée. Mais il ne le fait pas de bon cœur. Ce qu'il voudrait, c'est aller voir Hiro. Percy vient se garer à côté de lui. Tu as l'air inquiet, Thomas. Quel est le problème? Excellente question. Il a toujours raconté la vérité à son meilleur ami. J'ai trouvé la plus vieille locomotive de Chicalore. Et son nom, c'est Hiro. Sans rire, c'est génial. Où ça? Je te montrerai plus tard, je te le promets. Il faut vraiment qu'on s'occupe de lui. Tu veux bien m'aider? Oui, bien sûr, avec plaisir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça t'ennuierait d'aller livrer ce chargement à la ferme de Monsieur McColl, s'il te plaît? Mais qu'est-ce que je fais des wagons de la poste? Cache-les quelque part, d'accord? Choisis une voie à l'écart. Plus tard, tu reviendras les chercher. Moi, je file rejoindre Hiro. Ça fait 2 heures qu'il m'attend. Percy est tout excité. Il adore rendre service à Thomas. Il roule pendant de très longues minutes sur une voie qu'il ne connaît pas. Et il cherche un lieu où il pourrait cacher ses wagons. Je dois trouver un endroit à l'écart. Mes wagons doivent être en sécurité jusqu'à mon retour. Voilà la cachette idéale. Je vais les laisser là. Personne ne les trouvera ici. Pendant ce temps-là, Thomas va rejoindre Hiro dans sa forêt. Il est tellement pressé de commencer à aider son ami qu'il n'entend pas Spencer s'approcher de lui. Qu'est-ce que tu fabriques ici, Thomas? C'est bizarre, tes clients n'habitent pas du tout par là. Moi? Je vais sur le port. Thomas a peur de se trahir, alors il préfère accélérer et appuie sur ses pistons aussi fort qu'il le peut. Cette histoire me paraît curieuse. Très, très curieuse. Du coup, Thomas attend quelques heures avant d'oser aller voir Hiro. Je commençais à me dire que tu ne reviendrais plus. Fais-moi confiance, Hiro. Je ne te laisserai pas tomber. Le conducteur et son assistant attrapent leur boîte à outils et ils se mettent au travail. Très vite, le nouveau piston est mis en place. Il faut que je revienne avec d'autres pièces de rechange. Merci, Thomas. Mais ne te donne pas trop de mal pour moi. Je ne suis qu'un vieux machin. Qui, grâce à moi, va redevenir jeune? Au revoir, Hiro. Il est tard et Thomas fonce à toute vapeur vers les hangars. Il ne peut pas faire de détour. Il est obligé de passer devant la villa. Dis, Thomas, tu nous caches quelque chose, avoue-le. Thomas préfère garder le silence et il repart. Spencer décide de le suivre pour voir où il va. Thomas roule aussi vite que possible. Tout à coup, il croise Percy à côté du château d'eau. Le pauvre a l'air tout triste. J'ai cassé une valve en tirant ce wagon qui doit bien peser 15 tonnes. Thomas se sent terriblement coupable. Spencer, qui suivait Thomas, s'arrête pour savoir ce qui se passe. Pas de chance. Laisse donc les wagons lourds aux locomotives fortes et musclées. Puis il repart en souriant. Je suis désolé, Percy. Tu voulais m'aider et voilà le résultat. Je m'inquiète, tu sais. Je n'ai toujours pas livré le courrier. Le gros contrôleur va être furieux. Ne t'en fais surtout pas. Pour demain, je t'aiderai. En attendant, je vais t'emmener à l'atelier. Victor va te réparer en 2 secondes. En chemin, les deux amis se racontent leur journée et font plein de projets pour le vieux Hiro. Quand ils entrent dans l'atelier, tout est calme. Victor est très surpris de les voir arriver à une heure pareille. Vous devriez déjà dormir. Qu'est-il arrivé cette fois-ci? J'ai demandé à Percy de tirer mon wagon à ma place et sa valve s'est cassée. Pourquoi tu ne l'as pas fait toi-même? Parce que je... Oh.
parce que... Oh, Kevin, gentiment, gentiment, doucement, doucement. Pardon, chef, c'est le crochet qui... Glisse, je sais bien. À cet instant, Thomas remarque les pièces de rechange anciennes. C'est pile ce dont Hiro a besoin. Il est obligé d'en parler à Victor. Victor, j'ai besoin de toi. Non, on a besoin de toi. Je serai toujours là pour vous. Qu'est-ce que je peux faire? Thomas lui raconte sa rencontre avec Hiro. Victor est sous le choc. Tu as raison. C'est très gentil de s'occuper d'une locomotive abandonnée, et d'autant plus quand elle est vieille et toute cassée. Va en parler au chef. Non, il est encore trop tôt. Hiro est vieux et cassé. Le gros contrôleur va l'envoyer à la ferraille. Mais si on le répare pour qu'il vienne travailler avec nous, il a une chance. Bon, d'accord. On va attendre. Tout ce que je déposerai dans ce coin de l'atelier, tu pourras le prendre. Thomas et Percy sont fous de joie. Merci beaucoup, Victor. Approche, Percy. Je vais changer ta valve. Quand Thomas arrive au hangar, il est déjà très tard. Le gros contrôleur est drôlement en colère. Alors maintenant, ce Percy qui fait ton travail et qui s'occupe de livrer le courrier. Et en plus, les wagons de la poste ont disparu. Thomas les avait complètement oubliés. Je suis désolée, chef. Je ne sais pas où Percy les a laissés. Demain matin, j'irai les chercher avec lui. C'est exactement ce que j'allais te demander. D'ailleurs, c'est un ordre. Un ordre, un ordre. Quand le gros contrôleur est aussi fâché, inutile de discuter. Il vaut mieux laisser passer l'orage. Les amis de Thomas le regardent tous fixement. Ils se doutent qu'il leur cache un secret. Thomas, il y a quelque chose qui ne va pas? Il est temps de leur révéler la vérité. Thomas a besoin de leur aide. Oui, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Et sous un ciel rempli d'étoiles, Thomas raconte à ses amis la fabuleuse histoire du vieux Hiro. Toutes les locomotives sont bouche bée, elles ont hâte de rencontrer Hiro. Le lendemain matin, Thomas ne ménage pas sa peine. Il pousse des wagons, il travaille sans relâche et il ne fait même pas une petite pause pour reposer ses pistons. Spencer, qui ne peut pas s'empêcher de se méfier de lui, l'espionne et le suit de très près. Il a prévenu qu'il n'irait pas sur le chantier aujourd'hui. Il est bien trop occupé à surveiller Thomas. Du coup, il ne voit pas Gordon passer avec tout un chargement de pièces de rechange pour Hiro. Thomas, lui, aperçoit Gordon. Gordon s'arrête et lui fait un grand sourire. Thomas a travaillé dur toute la journée. Il peut tranquillement aller faire un tour à l'atelier. Gordon vient à sa rencontre. C'est rare de le voir d'aussi bonne humeur. En fait, Gordon est très content de pouvoir aider Hiro. Ça y est, j'ai tout livré. Bon, il faut que j'y aille, car l'express n'est jamais en retard. Merci pour tout, Gordon. Au revoir, Thomas. Dans l'atelier, c'est l'effervescence. Tout le monde travaille. Percy est presque prêt à partir. Thomas est passé le chercher. Pas de chance, le gros contrôleur vient leur parler et il a l'air furieux. Je suis très en colère. Où sont les wagons de la poste? Je veux les voir demain matin. Oui, chef. C'est promis, chef. Victor se rend compte que Thomas et Percy sont inquiets. Percy, ne fais pas cette tête. Regarde-le, Thomas. Il est tout triste. Je sais ce qui lui ferait plaisir. Tu me suis, Percy? Au fait, Thomas, cet après-midi, je laisserai une surprise pour toi. Merci, Victor. Merci, Victor. Les deux petites locomotives filent rejoindre Hiro dans sa cachette. Quand Percy l'aperçoit, il a un choc. Oh, Hiro, je te présente Percy, mon meilleur ami. Enchanté. Oh, bonjour, Percy. Tu as de la chance d'avoir un ami pareil. Tu dois être spécial, toi aussi. Tout comme Thomas. Et toi, tu as des copains? Oui, bien sûr, chez moi. Et ils te manquent? Oui, beaucoup. C'est triste. Mais je vais bien. J'ai une cheminée toute neuve. C'est Gordon qui l'a apportée.
Quand Gordon te fait un sourire, c'est tout son visage qui change. C'est très amusant à voir. Thomas et Percy sont contents de le voir rire. Bonne nuit, Hiro. Bonne nuit, mes chers amis. Et à demain, d'accord? Alors qu'ils rentrent chez eux, Thomas et Percy passent devant la villa. Leur chaudière bouillonne de joie, d'autant plus qu'ils ne voient pas Spencer. Et pourtant, il est bien là, caché derrière des arbres. Il les laisse passer, puis sort de sa cachette sans faire de bruit. J'ai bien l'intention de découvrir ce que cet idiot est en train de comploter. Spencer, le détective, va aller à la chasse aux indices. Le lendemain, les deux amis partent à la recherche des wagons de la poste. Tu es sûr de ne pas te rappeler où tu les as laissés hier? Certain. Réfléchis encore, Percy. Je sais, mais je n'arrête pas de penser à Hiro. Pendant ce temps-là, Emily fait le travail de Tom. Spencer ne la quitte pas d'une roue, mais ça ne la dérange pas. Pourquoi Thomas passe-t-il souvent devant la villa? Je n'en sais rien. Il a toujours beaucoup de travail. Il a des amis dans toutes les gares. Cette réponse ne lui plaît pas du tout. Au fait, pourquoi tu fais les livraisons de Thomas à sa place? Parce que, comme je te l'ai dit, le pauvre est souvent débordé. Et il travaille où? Tu le sais? Tu es intelligent et très observateur. Tu n'as qu'à deviner tout seul. Quelle effrontée, cette Emily! Spencer lui jette un regard noir. Il est tellement en colère qu'il ne voit même pas Thomas et Percy passer sur le pont au-dessus de lui, ni Edward, qui part livrer des pièces de rechange pour Hiro. À la nuit tombée, la vieille locomotive reçoit de la visite. Hé, regardez un peu! Sa chaudière a été réparée. Aucune pièce de la même couleur, mais tant pis. Thomas et Percy sont fous de joie. Tu es beau comme ça! Bravo! Merci beaucoup. Mais je m'inquiète pour vous deux. Votre copain argenté est venu inspecter ma forêt hier soir. Oh. Ne venez pas pendant quelques jours. Vos amis s'occupent très bien de moi. Ce matin, Edward a été très gentil. Et demain, je crois que c'est James qui doit venir. James, lui, il n'est pas très commode. Le matin, il n'est pas de bonne humeur. C'est la première fois que Hiro éclate de rire. Et il n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Le lendemain, Thomas et Percy fouillent la carrière. Impossible de trouver les wagons de la poste. En revanche, Spencer est là. Et ça, bien sûr, ça fait très plaisir à Mavis. Spencer, quel grand honneur! Je vais te faire visiter mon royaume! Une chance pareille, ça ne se reproduira pas de sitôt. Spencer, lui, trouve ça moins drôle. Il est tellement pressé d'échapper à Mavis qu'il ne voit pas passer James avec des pièces de rechange pour Hiro. Mavis conduit fièrement Spencer sous le tapis roulant. Et boum, c'est l'accident! Le pauvre est coincé. Il se retrouve rapidement recouvert de poussière d'ardoise. Et ça ne lui plaît pas du tout. Un peu plus tard, Thomas et Percy font le plein de charbon. Ils aperçoivent Emily avec tout un chargement de pièces pour Hiro. Il y en a un qui va être content. Bonne chance, Emily! Catastrophe! Spencer vient vers eux. C'était trop beau. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Spencer est tracté par Edward et poussé par Henry. Sa cheminée a été bouchée par de la poussière d'ardoise. Du coup, il faut l'emmener à l'atelier pour le réparer. Thomas et Percy en profitent pour rendre une petite visite à Hiro. La transformation est spectaculaire. Hiro va bientôt pouvoir rouler à nouveau. Écoutez-moi! Je dois être complètement, totalement réparé avant de rencontrer votre chef. Tout ira bien, Hiro. Ne t'en fais pas. Je vais m'en occuper. Non. Écoute, Spencer, ce n'est pas en gémissant que tu les feras travailler plus vite.
sera réparé demain. Sois gentil, fais-moi un sourire. Un petit effort. À ce moment-là, Thomas et Percy entrent dans l'atelier. Oh, Kevin! Victor remarque alors que Spencer ferme les yeux à cause du bruit. Il fait un clin d'œil à Thomas. Oh, pas de problème, mon grand. C'est glissant, ces crochets. Tu fais du bon travail. Continue. Non! Oh! Non! Non! Oh! Thomas s'approche tout doucement, puis recule en tirant le wagon couvert de pièces pour Hiro. Dis, à quoi tu penses quand tu te retrouves tout seul? À mon île. Depuis que je vous raconte ma vie à toi et à tes amis, elle me manque encore plus qu'avant. Ce doit être difficile d'avoir le mal du pays depuis si longtemps. Thomas décide de lui changer les idées. Demain matin, Percy va traverser tout Chicalor pour aller chercher la dernière pièce qui te manque. Après, tu pourras rouler. Tu ne resteras plus tout seul dans ton coin. Oh, merci, Thomas. Toi, tu sais ce que je ressens. Le soir, le gros contrôleur accueille Thomas à la gare de triage. Et il n'a pas l'air content. Oh, bravo! Les deux wagons ne sont toujours pas là. Spencer est à l'atelier chez Victor et les matériaux de construction pour la villa attendent désespérément sur les quais et on me dit que monsieur prend un jour de vacances. Tu as perdu la tête ou quoi? Excusez-moi, chef. Je vous promets que tout sera rentré dans l'ordre demain matin. Bon, je compte sur toi, Thomas. Ne t'inquiète surtout pas. Il a raison, Percy va aller chercher la dernière pièce qui nous manque. On passera tous à la forêt, à tour de rôle. Alors, pas de soucis, tout va bien se passer. Oui, on est là. Merci. Quand le soleil se lève à l'horizon, Spencer est déjà sur les rails. Aujourd'hui, je vais enfin découvrir son secret, parole de Spencer. Il se met à chercher des indices partout. Derrière des buissons, à côté des aiguillages, et petit à petit, il se rapproche de la cachette de Hiro. Tout à coup, Spencer siffle très fort et longtemps. Mais qu'est-ce que je vois par là ? James et Toby l'entendent se rapprocher. Ils démarrent à toute vapeur. Tiens, tiens, quelle surprise! J'ai retrouvé les wagons de Percy. C'est Thomas qui a dû les cacher avant-hier, j'en étais certain. Tout à coup, Thomas et Toby sortent de la forêt. Hiro a bien failli être découvert. James siffle et Toby fait sonner sa cloche. Ensemble, ils chassent la grosse locomotive loin de la cachette de Hiro. Ils arrivent tous les trois à un croisement. Au sommet, où Thomas arrive dans l'autre sens, non. Spencer se retrouve coincé. Il ne peut plus avancer. Et il ne peut plus reculer non plus. Et surtout, il est accroché au wagon de la poste. Tu peux m'expliquer pourquoi tu as pris les wagons de Percy? À cause de toi, j'ai l'air de quoi maintenant? Mais enfin, je n'ai pas volé... Je n'ai pas envie d'écouter tes excuses. Désolé, Spencer. Trouve Percy et rends-lui ses wagons. C'est un ordre. Cette fois, Thomas, tu vas me le payer très cher. Plus tard dans l'après-midi, Hiro attend Thomas avec impatience. Sa cheminée fume et sa chaudière bouillonne. Percy va bientôt arriver avec la pompe à injection. C'est la dernière pièce qui te manque pour faire assez de vapeur. Si ça se trouve, le gros contrôleur a peut-être déjà vu des photos de moi. Ça ne m'étonnerait pas et il sera très fier de t'accueillir au sein de son équipe. Je suis tellement content. J'attends ce moment depuis si longtemps. Un long coup de sifflet les fait sursauter. C'est le bruit qu'ils redoutaient tous les deux. Oh, c'est Spencer! Il nous a vus! Sauve-moi, Thomas! Spencer va tout faire pour qu'on m'envoie directement à la casse! Ah non, pas question! Tu n'es plus en panne! On va pouvoir s'enfuir ensemble! Viens avec moi!
Hiro appuie sur ses nouveaux pistons et miracle! Pour la première fois depuis des années, il peut enfin rouler. Au début, il se sent un peu mouillé, c'est normal. Mais très vite, il accélère et prend de la vitesse. Sa chaudière fait des bulles, mais c'est bon signe. Bien joué! Bravo! Merci, Thomas! Et c'est la catastrophe. Spencer surgit de derrière un bosquet. Je t'ai trouvé, Thomas. Spencer! La locomotive bleue accélère à fond. Tu ne réussiras pas à m'échapper cette fois-ci. Hiro roule aussi vite qu'il le peut. Il est prêt à tout pour échapper à Spencer. Mais quand celui-ci l'aperçoit, il n'en croit pas ses yeux. C'est la première fois qu'il voit une locomotive aussi bizarre. Mais qui es-tu? Hiro! Thomas! Cette machine ne sait même pas rouler vite. Le moteur de Hiro commence à faire de drôles de bruits. Sa carrosserie se met à trembler et ses cylindres craquent. Hiro se fait du souci. Sa vieille pompe à injection ne fonctionne plus. Quant à son phare, il se décroche et atterrit sur Spencer. Hiro a de plus en plus de mal à garder le contrôle. Des pièces tombent sur la voie et ça fait cling et bang sur les rails. Non ! Pas de panique, Hiro ! Tu peux y arriver ! Thomas, aide-moi ! Plus Hiro avance, plus il tremble et plus il perd de pièces. Vas-y, continue, c'est bien ! D'autres pièces se décrochent et tombent sur la voie. Oh, Thomas ! Tu peux y arriver, Hiro ! Ça m'étonnerait beaucoup ! Hiro sait que Spencer a raison. Le maître des voies ferrées n'est plus qu'un tas de ferrailles bons à jeter. Il ne peut même plus avancer. Alors c'est ça que tu fabriquais cette semaine? Tu préparais cette chose pour un aller simple à la casse? Parce que tu peux être sûr que sa place est là-bas, ton cher vieux copain. Le gros contrôleur sera sûrement d'accord avec moi. Thomas est effondré. Malgré tous ses efforts, il n'a pas sauvé Hiro. Comment faire pour les empêcher d'envoyer le pauvre Hiro à la casse? Tout à coup, il entend quelqu'un siffler. C'est Gordon et son express. On fait la course jusqu'à la gare, Spencer l'escargot, et je vais gagner. Spencer ne s'attendait pas à ça. Il voit Gordon filer à toute vapeur devant lui. Oh non, tu te trompes, Gordon. Je vais gagner. Et le voilà qui fonce à la poursuite de Gordon. Il est prêt à tout pour le rattraper. Thomas, lui, remarque une petite voie de garage. N'aie pas peur, Hiro. Tu vas te cacher par là. Tout finira par s'arranger. Mais le pauvre a perdu tout espoir. Pour ce qui est de la course, Gordon est toujours en tête. Spencer, lui, commence à s'essouffler. Les wagons de Percy sont plus lourds qu'il ne le pensait. J'ai gagné! Je t'avais dit que je gagnerais! Et avant que Spencer n'ouvre la bouche, la porte de l'express s'ouvre brusquement. Le duc et la duchesse, très en colère, descendent du train. Bonjour, belle balade, n'est-ce pas? Spencer, je suis très mécontent. Tu devais t'occuper du chantier de la villa, et malheureusement, il est loin d'être terminé. Notre ami le gros contrôleur dit que tu passes tes journées à espionner Thomas. Et aussi à voler des wagons qui ne sont pas à toi. Tu m'avais pourtant dit que tu les rapporterais à Percy. Et tu ne l'as pas fait. Spencer tente de se justifier. Ils ont trouvé une vieille locomotive ou un vieux tas de ferraille plutôt. Et je l'ai pris en chasse parce que... En fait, croyez-moi, chef, vous devriez... Ça suffit, Spencer. Tais-toi. Non. Tu fais la course avec de vieux tas de ferraille, c'est ridicule. On va devoir te renvoyer sur le continent. Et ce, dès demain. Tu n'es pas digne de notre confiance. Je pourrais l'aider. Je pourrais travailler avec lui sur votre chantier. En s'y mettant à deux, la villa devrait être finie à temps. Le duc et la duchesse sont ravis. Merci, Thomas. C'est très gentil de ta part, mais je te donne un conseil. Surveille bien Spencer. Il n'est pas dans son état normal. Quelle humiliation! Spencer est fou de rage. Thomas se dépêche ensuite d'aller rejoindre Hiro. Celui-ci est tout triste. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire pour moi. Mais c'est trop tard. Je sais que ton chef va m'envoyer à la casse, hélas. Non, pas question.
Je ne le laisserai pas faire, tu entends? Je te le promets. Ne te décourage pas. Thomas est obligé de rentrer à la gare de triage. Tout le monde se fait du souci pour Hiro. Ils sont tous furieux contre Spencer. Je n'aurais jamais dû laisser mes wagons si près de la forêt. Je ne savais pas qu'il m'avait vu. J'ai vraiment cru que c'était une super cachette. Ne t'en fais pas, Percy. On a tous fait ce qu'il fallait. On fait quoi, maintenant? Je vais tout raconter au gros contrôleur. Mais pourquoi? On a essayé de réparer Hiro nous-mêmes. Ça n'a pas marché. On a besoin de son aide. Mais avant, je dois terminer la villa avec Spencer. Ensuite, je passerai à l'action. Je vais montrer au chef que je suis utile et il sera ravi de m'aider. Les autres locomotives gardent le silence. Thomas a raison, bien sûr, mais tout le monde s'inquiète pour Hiro. C'est leur ami et il ne faut pas qu'il lui arrive du mal. Pendant que je travaille, vous voulez bien aller voir Hiro? Bien sûr, on ira, ne t'en fais pas. Ils se mettent tous à siffler. Un pour tous, tous pour un. Les jours suivants, Thomas et Spencer travaillent d'arrache-pied pour terminer la villa. Comme il se méfie de Spencer, Thomas ne le quitte pas des yeux. Pendant ce temps-là, comme promis, ses amis se relaient auprès de Hiro. Il ne reste jamais seul longtemps. Il en profite pour raconter des histoires de sa jeunesse à Emily, Gordon et Percy. Il écoute les sages conseils d'Edouard et il s'assure qu'Henri a bien son charbon spécial. Il admire la belle carrosserie de James et il découvre que Toby est unique en son genre. C'est le premier tramway à vapeur qu'il voit. Le duc et la duchesse viennent voir où en sont les travaux. Comme la villa est presque terminée, ils sont plutôt ravis. Spencer est soulagé. Il leur explique tout ce qu'ils ont fait, pendant que Thomas en profite pour aller voir Hiro et prendre de ses nouvelles. Hiro est ravi de voir Thomas. Bonjour Thomas, mon très cher ami. Bonjour Hiro. Hiro est tout triste. Hiro, crois-moi, tu ne finiras pas à la casse. Garde espoir. Ce soir, je vais tout arranger. Puis il retourne à toute vapeur sur le chantier, juste à temps pour dire au revoir au duc et à la duchesse. Merci, Thomas, parce que sans toi, Spencer n'aurait jamais terminé dans les délais. Excusez-moi, mais je dois partir. Et pourquoi? Je veux parler au chef. Spencer comprend tout de suite. Tu vas lui dire que tu as trouvé une locomotive toute rouillée dans la forêt, c'est ça? Je vais arriver là-bas avant toi pour faire capoter ton plan, parce que ce tas de ferraille doit être envoyé à la casse. Là est sa place. Sur ce, Spencer appuie à fond sur ses pistons et file à toute vapeur pour doubler Thomas. Ce dernier l'entend qui se rapproche derrière lui. C'est moi le plus rapide. Moi, je roule plus vite. Je peux le battre. C'est la course la plus importante de leur vie. Ils franchissent des ponts, traversent des tunnels. Aucun ne ralentit, même pas dans les virages. Spencer change souvent de voie, mais impossible de dépasser Thomas. Au croisement suivant, Thomas est toujours en tête. Au dernier moment, il change de voie. Spencer ne s'y attendait pas. Il appuie à fond sur ses freins. Puis il fait marche arrière jusqu'à l'aiguillage. Et il repart aussitôt à la poursuite de Thomas. La voie est étroite et ancienne. Mais c'est un bon raccourci pour aller à la gare de triage. Thomas accélère. Spencer l'imite. Et il se rapproche de plus en plus. Et c'est la catastrophe! Un des piliers de la voie est fendillé et Spencer est trop lourd. Et dans un grand crac, le pilier se brise sous lui. Spencer risque de se retrouver bientôt dans la boue jusqu'aux yeux. Thomas fait marche arrière. Il comprend tout de suite ce qui s'est passé, mais il ne sait pas quoi faire. Excuse-moi, Spencer. Je ne savais pas que le pilier était cassé. Je vais chercher du secours. Reste calme. Aussitôt dit, aussitôt fait. Quand il arrive enfin à la gare, il est sale et fatigué. Le gros contrôleur, lui, dîne avec le duc et la duchesse. Le chef de gare l'appelle au téléphone et lui demande de venir tout de suite.
Thomas, en le voyant arriver, a les essieux qui tremblent. Il a beau avoir peur, il sait très bien qu'il doit lui raconter toute la vérité sur son ami Hiro. Le gros contrôleur l'écoute sans un mot. D'accord, il est vieux, mais il a de la valeur. Il ne veut pas finir à la casse. C'est pour ça qu'on a voulu le réparer nous-mêmes. Le gros contrôleur ne dit toujours rien. Ça devient inquiétant. Thomas aurait peut-être mieux fait de se taire. Et son nom, c'est Hiro. Oui, monsieur. Tu parles du maître des voies ferrées? Oui, monsieur. Oh, mais il est célèbre un peu partout. Normal, c'est le maître des voies ferrées. Comment peux-tu penser que moi j'enverrai le maître des voies ferrées à la casse? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Parce que j'ai été stupide et très inquiet. Alors je me suis débrouillé tout seul. Mais tu n'es plus seul, je suis là. Nous allons aider Hiro tout de suite. Il faut que tu le conduises au plus vite à l'atelier. Victor fera des miracles, je le connais. Tu vas être content de lui. Thomas est tellement content que sa chaudière menace d'exploser. Merci, monsieur, merci. On fait quoi pour Spencer? Il a besoin de nous. Mais je lui avais pourtant dit de ne pas quitter le chantier aujourd'hui. C'est bien fait. La dépanneuse passera bien le chercher, mais seulement après Hiro. Ça y est, j'ai vu le gros contrôleur. Je lui ai parlé de toi et il te connaissait déjà. Tu vas aller faire un petit tour dans notre atelier et tu peux oublier la casse. Youpi, merci Thomas. Ça y est, Hiro, tu es sauvé. Le lendemain, Thomas et Percy emmènent tant bien que mal leur ami à l'atelier de réparation. Le gros contrôleur est là pour l'accueillir. Bienvenue, Hiro. C'est un grand honneur de rencontrer quelqu'un comme toi. Merci, monsieur. Je vous suis très reconnaissant. Et je tiens à remercier Thomas aussi. C'est vrai. Merci, Thomas. Victor va faire en sorte que tu redeviennes au plus vite le maître des voies ferrées de Chicalore. Avec plaisir, chef. Je ferai de mon mieux. Vous me connaissez bien. J'adore les défis. Mon équipe aussi. Excusez-le, chef. C'est le crochet. Il est glissant. Oui, je vois ça. Ne t'en fais pas, Hiro. Victor est le meilleur. Une semaine plus tard, toute l'équipe passe voir Hiro à l'atelier. Celui-ci avance timidement vers eux. Quelle métamorphose ! Hiro est absolument magnifique. On dirait qu'il vient de sortir de l'usine. Comment tu te sens maintenant? Je suis vraiment content. Je pensais que ce jour n'arriverait plus. Bon travail, Victor. Je vous présente le maître des voies ferrées. Bonjour, chef. Allez, Thomas, va vite chercher Spencer. Il doit t'attendre. Me voilà, ça y est. Je suis venu t'aider. Malheureusement, tu ne peux pas m'aider, Thomas. Tu n'es pas assez fort. Oui, tu as raison. Mais je connais quelqu'un qui est très costaud. Qui es-tu, toi? Moi, je suis Hiro. Tu ne serais pas le tas de ferraille qui... Eh si, c'est moi. Enfin, c'était moi. Ça alors, tu as changé? Au travail. Si tu permets, je vais te sortir de là. Bonjour, Spencer. Besoin d'un coup de main? Hiro se met en place devant le pauvre Spencer. Lentement, très lentement, Rocky soulève Spencer et le remet sur les rails. Puis Hiro redémarre et ramène Rocky et Spencer à l'atelier de réparation.
Spencer est vite remis en état. Il part rejoindre Hiro et Thomas. Ensemble, les trois locomotives travaillent sur le chantier de la villa. Avec un seul but, terminer dans les délais. Thomas, je regrette d'avoir été aussi méchant avec toi. Et toi, Hiro, excuse-moi de t'avoir traité de tas de ferraille. Vous êtes tous les deux formidables et je vous adore. Le duc et sa femme arrivent juste à ce moment-là pour visiter leur villa. Elle correspond exactement à leurs rêves. À la fin de la journée, Thomas et Hiro sont épuisés. Ils ne peuvent même plus bouger un piston. Thomas s'aperçoit que son vieil ami a l'air tout triste. Qu'est-ce qui ne va pas, Hiro ? Tu as été vraiment très gentil avec moi. Tu es le meilleur ami que l'on puisse avoir. Mais j'aimerais bien rentrer chez moi. Oui, c'est normal, je comprends. Mais je peux t'aider. Je reviens. Et avant que Hiro ne réagisse, Thomas s'est déjà volatilisé. Monsieur, j'ai besoin d'aide. Et je sais que vous comprendrez. Hiro aimerait rentrer chez lui. Il n'a pas vu son île depuis très très longtemps. Et ses amis lui manquent, son pays aussi. Mais oui, je me mets à sa place. Tu as bien fait de m'en parler. Bien sûr que je vais t'aider. Dis à Hiro de ne pas s'inquiéter. Quelques jours plus tard, l'équipe s'est donné rendez-vous sur le port. Personne ne tient en place. Il est là, regarde. À mon signal, 1, 2, 3. Les locomotives se mettent à siffler toutes en chœur. Soudain, un autre sifflet leur répond. C'est Hiro, bien sûr. Il avance lentement le long des quais, puis s'arrête à côté de Thomas et de Percy. Tu vas enfin revoir ton île. Tu es content? Merci, Thomas. Mais jamais, jamais, je n'oublierai tout ce que tu as fait pour moi. Tu seras dans mon cœur pour toujours. Peut-être que je peux venir te voir? Ou alors c'est toi qui repasseras nous voir dans quelques temps? Peut-être, qui sait? Tu auras toujours ta place sur Chicalor, tu le sais? Oui, je le sais, Thomas. Merci. Surprise sur le point d'arriver. Oh là là, hé hé hé. Écoute bien, regarde un peu.